quand on est certain que le sort nous avise. Et c'est quand on s'éteint que parfois on vous rallume. Quand on ne croit plus en rien que s'éclaire la lune. Il paraît qu'on change, il paraît qu'on devient celui qui nous démange, celle qui n'est pas bien loin. Il paraît qu'on range, il paraît qu'on détient les fruits de nos vendanges, les cailloux du chemin. On a une petite annonce à vous faire avec Anne-Catherine. On va être en concert le 23 septembre aux environs de 20h chez Thierry Schrotz dans sa belle école de musique et de piano et chant au Cress. Ça sera une soirée privée sur réservation au profit de l'association La Petite Fille qui s'attarde qu'on représente et pour la cause du handicap. Il y aura une partie des chansons qu'on va interpréter qui seront mes compositions dont Il paraît, dont on vous a joué un petit extrait. Et puis des reprises essentiellement en chansons françaises, mais pas que. Il y aura quelques petites surprises dans d'autres langues. On espère vous voir nombreux et on a hâte de vous retrouver pour un petit été indien après tous les bons moments de l'été et les concerts en plein air. On espère pouvoir vous retrouver et partager ce moment avec vous. À bientôt. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, et les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen, à Göttingen.